David Nation, je fais cette petite vidéo pour, vous avez dû voir dans le titre de la vidéo, avant de continuer, je tiens à préciser, je ne prends pas de part dans quoi que ce soit d'ordre politique. Cette vidéo elle a pour but de vous donner juste une leçon, d'accord, je vous explique comment tirer leçon de ce qui arrive à Huawei en ce moment, okay? Comme peut-être vous ne le savez pas, je ne vais pas entrer trop dans les détails, je vais mettre le lien de l'article dans la description, vous pourrez lire ce qui se passe exactement, mais Google, le géant Google, a décidé de se séparer ou d'exclure Huawei de tous ses services, ok, parce que Google équipe la majorité des smartphones, en tout cas tous ceux qui ne sont pas iOS, sont équipés par Google avec le système Android. Du coup, les équipementiers ou bien les constructeurs de smartphones non seulement utilisent la version Android de Google, mais également utilisent les services de Google comme Gmail, YouTube, l'assistant Google, la localisation, etc., etc. Également, ces constructeurs bénéficient de mises à jour de la part de Google et tout. D'accord? Donc, en décidant d'exclure Huawei de son réseau, Google est en train de porter un gros coup à Huawei. Et ok, Huawei a décidé en amont depuis très longtemps de développer son propre système d'exploitation et sa propre boutique d'application et tout. Les mois qui vont suivre cette nouvelle là seront très durs à encaisser pour Huawei. Alors, bien sûr, ils vont s'en sortir, mais déjà, ils étaient tellement bien lancés parce qu'ils sont numéro 2, d'accord? Ils sont numéro 2 mondial, c'est-à-dire qu'ils sont derrière Samsung, qui est premier, et eux, ils sont deuxième. Ils ont vendu 59 millions de smartphones de janvier à avril. Donc, c'est des centaines et des centaines, on va dire presque le milliard de personnes qui ne seront pas connectées, ou bien qui seront obligées, voilà, qui ne pourront plus acheter Huawei et tout ça. Ça sera compliqué, mais la leçon qu'il faut tirer derrière, c'est quoi? C'est que si vous êtes entrepreneur, quel que soit ce que vous allez faire, si votre entreprise grandit, attendez-vous à être piétiné ou à ce que les géants vous mettent des bâtons dans les roues. D'accord? Je ne sais pas Huawei, bon c'est vrai, j'aime Huawei et ça m'attriste, la nouvelle m'attriste, mais je veux juste dire que quelle que soit l'industrie, ça arrive. Quand tu veux bousculer les géants, quand tu veux arriver à un stade où tu risques d'être le numéro 1, les gens vont créer toutes sortes de scénarios pour te mettre dans les problèmes, pour te faire perdre des clients, pour te ralentir. Parce que l'objectif de Huawei, 2020, c'était d'être le numéro 1. D'accord? Et c'est pas sûr. Et c'est vraiment pas sûr d'arriver en ce moment. Donc, la leçon que vous devez tirer derrière ça, c'est que vous devez vous préparer à tout. Arrêtez de dépendre des gens. Arrêtez de dépendre des gens. Ne soyez pas dans un début, vous pouvez utiliser les services d'autres personnes et tout. Mais une fois que vous commencez à devenir votre propre patron, gagner beaucoup d'argent, arrêtez de dépendre des gens. Parce qu'en dépendant des gens, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Et Huawei était intelligent de commencer le développement de sa boutique d'application, le développement de son propre système d'exploitation, qui est largement utilisé en Chine, mais qui va prendre du temps pour s'implanter à l'extérieur. Donc, arrêtez de dépendre des gens, c'est la leçon qu'il faut tirer. Dans les débuts, vous pouvez, si je prends l'exemple de Jumia en Côte d'Ivoire. Bon, Jumia dans les débuts, ils ont signé des partenariats avec tout ce qui est, avec tous les marchands locaux et tout. Mais arrivé un moment, Jumia a décidé d'avoir sur ses propres entrepôts. Et ça fait qu'ils dépendaient moins de l'humeur des marchands. Et ça fait que leur marge a augmenté considérablement. Donc, si vous grandissez, si votre entreprise grandit et qu'elle commence à dégager du profit, commencez à anticiper les séparations. C'est mieux. Donc, c'est le conseil que je vais vous donner. Je n'ai pas envie de continuer plus longtemps cette vidéo. Le lien est dans la description. Vous allez voir ce qui se passe. Et c'est triste. Mais nous, on a la chance. Tous ceux qui ont les Huawei là, qui ont acheté les Huawei avant le décret, avant l'exécution du décret,
pourront bénéficier des services Google, mais sauf qu'on ne pourra plus bénéficier des mises à jour. Donc, la mise à jour vers Android 10, c'est mort. Si YouTube fait des mises à jour, plus comme ça, c'est mort. Ouais. C'est triste, c'est triste. Mais de toute façon, moi j'irai chez Samsung. Je n'irai jamais chez Apple. Voilà, j'ai rien contre Apple, mais je n'irai jamais chez. Je préfère aller chez Samsung. Et encore, ils sont sud-coréens. Voilà, j'irai jamais chez Apple, jamais de la vie. Jamais. Avec ce qui vient de se passer, jamais de la vie. Jamais de la vie, j'irai chez Apple. Si Huawei, si la station ne s'arrange pas, j'irai chez Samsung tranquillement. D'accord? Samsung encore, j'adore. Le téléphone, je l'adore. Voilà, je le préfère 10 000 fois Apple. Donc, ce que je voulais partir dans cette vidéo, n'hésitez pas à taguer un ami qui a besoin d'entendre cette leçon. Et surtout, les gars, arrêtez de dépendre des gens. Ok? Ciao!